Amen, amen, amen. Oh, aujourd'hui ça chauffe fort. Ça va chauffer. Je ne parle pas de la température. Je parle de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur fait de grandes choses. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu parfait. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Nous pouvons zitten, alstublieft. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Amen. Amen. Avant d'écouter la parole, voordat we naar de woord van God gaan luisteren, une soeur, we gaan een zuster luisteren. Cette soeur qui nous aime beaucoup. Een zuster die echt van ons houdt. Voilà. Elle était à Lelystad pour nous filmer gratuitement. Nos images qu'on doit amener au Congo, les belles images. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je te voyais acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment une famille bénie. Vraiment. La sœur chante très fort. De zuster zingt heel goed. La grâce de Dieu est dans sa vie. De genade van God is in haar leven. Et elle a sorti un album. Ze heeft een album uitgebracht. Amen. Amen. Le sanctuaire. Ah, ik weet het is le sanctuaire. De heilige plaats. En de heilige plaats. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on va lui laisser nous amener un peu dans l'adoration avant la parole. We gaan eerst in de aanbidding. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu pour quelques minutes. On a besoin de la parole de God luisteren. Gloire au Seigneur. Pendant que la sœur Olia Nana avance, on acclame le Seigneur très fort. Très, 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 très fort. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu ma soeur qui demandait c'est quoi le sanctuaire. Ik hoorde mijn zuster vragen wat is de sanctuaire. Je vais juste dire ça en deux mots. Ik ga dat maar in twee woorden vertellen. Sanctuaire vient du mot sanctus qui signifie saint. Dat betekent rein. Saint sanctuaire ça peut être un lieu. Sanctuaire kan een plaats zijn, een locatie. Les gens viennent adorer le Seigneur. Waar mensen God komen aanbidden. Dans l'Ancien Testament avec que le soudan. Dus in het Oude Testament waren alleen maar de accès au sanctuaire du Seigneur. Die de locatie parce que Jésus est venu à la croix, il est mort. Maar toen Jezus gekomen en toi et moi, nous sommes les sanctuaires de Dieu. Je veux être un sanctuaire. Ik wil tout celui qui va écouter et adorer avec moi. Elke persoon die daarna gaat luisteren. Il doit dire à Dieu, je m'abandonne dans tes mains. Ga zeggen, ik geef me aan jou. Fais de moi ton sanctuaire. Maak voor mij de plaats waar je wilt blijven staan. Alléluia. Amen. Comme je n'ai pas répété avec les frères. Ik heb niet geoefend met mes broeders. Nous sommes au début de notre ministère. Dat we in het begin zijn van onze ministerie. Nous utilisons les moyens des bords. Dus we gebruiken de basis. Ma soeur va m'aider. Mijn zuster gaat bien le trou, bien le frère, je sais pas, comme vous voulez. Oui, tu peux faire. Vous allez me suivre juste et je sais que ça va aller. Dus jullie gaan mij volgen. Prenez-moi un dos. Yes, yes, well, allez. Yesuaz ali awato suyemba Yesuaz tonda nanguya Yesuaz ali awato suyemba Yesuaz Tunda Anguya Yesua Zali Zila Solo Bomo Oye Kome Mama Nankembo Le Seigneur est là pendant que nous chantons.
je n'ai pu imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu, c'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Après vous aussi. À la croix, il a pris ma place. Alléluia. Oh Dieu, c'est donné. Assois ici quand on va les coups. Je ne peux imaginer. Avec moi. Il a pris ma place. Ah. Il a pris ma place. Au plan de mon secret. Il a pris ma place. Ah. Il a pris ma place. Son fils avec moi. Jesus.
commencer à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je félicite la Cora, vous êtes bien habillé. Ik feliciteer de Cora, jullie zijn heel goed aangekleed. Acclamez. Quand ils bien, vous parlez. Maintenant, ils habillent bien, vous ne voulez pas acclamer. Acclamez quand même, encouragez-les. Alléluia. Voilà, tout l'été, ils seront en pagne, donc c'est bon. Heel de zomer zullen ze in Afrikaans gekleed. Comme ça, ça sera bien. Zodat het goed is en niemand klaagt. On s'est mené pour lire la parole de Dieu. We gaan nog recht opstaan, we gaan de woorden van God lezen. Voilà, je vais même pas t'amener très rapidement. Où tu attends, je finis et toi tu finis. Okay. Is goed, we gaan vlug gaan. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glorie tot God. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genesis. Chapitre 16. Hoofdstuk 16. Genèse, chapitre 16. Genesis 16. Alors, à partir de ce moment, donc, on ne bouge plus parce que les images vont passer dans les chaînes de télévision. Niemand bewegen, want beelden komt télé. La qualité est aussi importante. Dus de kwaliteit is ook heel van belang. S'il y a des gens qui sont derrière, il y a des bancs vides devant, avec les bancs vides. Mensen die achteraan zijn, komen naar voren komen alsjeblieft. C'est très important pour les images. Dit is heel belangrijk voor de mooie beelden. Genèse chapitre 16. Genèse 16. Nous commençons au premier verset. Eerste vers. Et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je disais, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Samen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je pour elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, a pris Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Je mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras. Bon, alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'homme de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Dieu. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je viens loin de Sarai, ma maîtresse. L'homme de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu, a tenu ton affliction. Il sera comme une âne sauvage, sa main sera contre tout et la main de tout sera contre lui et il habitera en face de ses frères. Et elle appela ce lieu Atta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, et je n'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole. Éclaire notre intelligence. Et aide quelqu'un à comprendre le merveille de ton royaume. Help iemand te jouw rijkdom te begrijpen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Après la veillée hier matin, na de waken gisterochtend, j'étais en train de prier. Ik was aan het bidden. De méditer, disons. De mediteren, zeg maar. Et j'étais pris en esprit. Ik was met mijn geest weggenomen. Et le Seigneur me parlait. De Heer sprak me aan. Il dit, pourquoi vous prêchez mal? Hij zegt, waarom preken jullie slecht? Et je dis, quoi? Ik zeg, hoe komt dat? Je comprends pas. Ik begrijp het niet. Et il me dit, des fois vous dites, soms zeggen jullie, si on te ferme une porte, wanneer jullie de deur sluiten, ici, hier, on t'ouvrira une autre porte d'autre part, dans d'autres lieux. Ergens anders, een andere locatie gaan ze een deur voor je openen. Il dit, mais je ne comprends rien. Ik zeg, ik begrijp daar niks van. Et le Seigneur m'explique. De Heer spreekt. Il me dit,
vous avez l'habitude de fermer certaines portes. Et vous croyez que denken, je suis obligé de vous ouvrir des portes d'ailleurs. Si vous fermez ce que j'ai ouvert, als jullie sluiten wat ik geopend heb, je ne peux rien ouvrir ailleurs. Ik kan nergens anders iets openen voor jullie. Okay. La vision s'arrête. Et toi, la vision s'arrête. Alors, depuis hier, sinds gisteren, j'étais en train de prier. Ik was aan het bidden. Et ce matin, vanochtend, le Seigneur me donne ce texte. De Heer gaf me deze texte. Et le thème de mon message est celui-ci. Is dit. Ne fermez pas sluit niet la porte de deur qui ouvre les portes. Die andere deuren open. Dis à ton voisin, zeg tegen je buur, ne ferme pas sluit niet la porte de deur qui ouvre les portes. Die andere deuren opent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris mon thème? Heeft iemand mijn thema ne gegeven? Ferme pas sluit niet la porte de deur qui ouvre die opent d'autres portes. Andere deuren. Et nous allons voir qui est cette porte-là. We gaan zien wie de deur is. Et ça sera très important. C'est heel belangrijk. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, in de boek van Openbaring, Dieu parle à l'église de Philadelphie. God sprak tegen de kerk van Philadelphia. Il dit ceci. Hij zegt, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ik heb voor jullie een geopende deur staan. Que personne ne peut fermer. Dat niemand kan sluiten. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ik heb voor jou een open deur gezet. Que personne ne peut fermer. Dat niemand kan sluiten. C'est-à-dire que j'ai ouvert une porte. Ik heb een deur geopend. Et cette porte-là, en deze deur, personne ne peut la fermer. Niemand kan het sluiten. Ok. Je parle de cette porte-là. Dus ik spreek over die deur. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire, waar we gelezen hebben, ça m'a beaucoup touché. Dat heeft me heel veel geraakt. Ici, nous sommes en train de voir une histoire d'une famille. Hier zien we een verhaal van een gezin. La famille d'Abraham. Het gezin van Abraham. Dieu a dit Abraham, hij zegt tegen Abraham, je ferai en sorte que tu sois le père de plusieurs nations. Ik ga ervoor zorgen dat je de vader wordt van vele naties. Beaucoup d'hommes et de femmes sortiront de toi. Veel mannen en vrouwen zouden gaan via jou komen. Des rois sortiront de toi. Koningen gaan via jou komen. Je verrai de toi une grande bénédiction. Ik ga voor jou een grote zegening maken. Cependant, Abraham était toujours dans la stérilité. Abraham was nog steeds onvruchtbaar. En fait, c'était pas lui. Dat was hem niet. C'était sa femme. Dat was zijn vrouw. Et là où nous avons lu, waar we gelezen hebben, sa femme dit ceci, zijn vrouw zegt, elle nous confesse, ze zegt tegen que sa stérilité, dat haar onvruchtbaarheid, c'était l'éternel, dat de Heer, qui était la cause, die de oorzaak daarvan was. C'est l'éternel qui l'avait rendu stérile. De Heer heeft hem onvruchtbaar gemaakt. Mes amis, mijn vrienden, Dieu est souverain. God is souverain. Il y a des choses qu'il fait. Sommige dingen dat hij doet. On ne peut rien faire contre ça. We kunnen daar niks tegen doen. Mais s'il le fait, maar als hij dat doet, il le fait pour un but. Doet hij dat voor een doel. Dieu ne peut pas permettre que tu sois malade. God gaat niet veroorzaken dat je ziek wordt. Si il n'a rien préparé pour toi après la guérison. Dat hij, als hij niks voor jou heeft gebracht na de si, na de zegening, allee, als je genezen bent, sorry. Genezing. Amen. Amen. Dieu ne peut pas permettre que tu sois humilié. God gaat niet veroorzaken dat je niet verwaarloosd bent. Et te laisser juste comme ça après ta restauration. Zo dat je niet hersteld wordt. Daar. Lorsque Dieu permet quelque chose, als God iets doet, c'est que derrière la chose, is dat achter dat il y a une bénédiction. Dat er een zegening is. Il y a une grâce. Dat er een genade is. Il y a une faveur. Dat er een faveur il y a une is. Porte qui s'ouvre. Dat er een deur opent. Ici, Dieu a parlé à Abraham. Hier sprak God tot Abraham. Sarah savait que Dieu avait parlé. Sarah wist dat God had gesproken. Mais comme Abraham faisait pression. Abraham, principe, Abraham était malheureux. De Abraham was ongelukkig. Abraham se disait ceci. Abraham zei tegen zichzelf. J'ai beaucoup d'argent. Ik heb heel veel geld. J'ai beaucoup de richesses. Ik heb heel veel rijkdom. À qui léguerai-je mes biens? Aan wie ga ik dan geven als ik sterf? Et c'est ça, à un serviteur qui habite dans ma maison? En aan een dienaar geven? Je travaille pour rien. Ik heb voor niks gewerkt. Et je n'ai pas d'enfant. Ik heb geen kinderen. Et c'est un étranger. En dat is een vreemde. Qui va prendre cela? Die dat gaat nemen. Abraham s'inquiétait. Abraham maakte zich druk. Alors Sarah. Sarah. Voulait donner la joie à son mari. Waar vreugde brengen bij haar man. Dans ce couple, il y a des histoires bizarres. In deze koppel zijn er hele rare dingen die gebeuren. Sarah dit à son mari. Sarah zegt tegen haar man. J'ai une fille. Ik heb een vrouw. Que tu connais bien. Die je heel goed kent. Elle s'appelle Agar. Agar. Elle est égyptienne. Zij is Egyptisch. Cette fille. Dat meisje. Est ma servante. Dat is mijn minares. Donc, servos esclave en fait. Dat is eigenlijk mijn slaaf. Je l'ai achetée. Ik heb haar gekocht. Elle travaille pour moi. Ze werkt voor mij.
j'ai le pouvoir de le tuer. Et qu'on a vermoord, comme j'ai le pouvoir aussi de la laisser libre. Hoe ik haar vrij kan laten. Parce qu'elle est mon esclave. Want ze is mijn slaaf. Mais maintenant, maar nu, parce que tu as besoin d'avoir des enfants. Hoe jij kinderen nodig hebt. Et qu'elle est encore trop jeune. En dat ze nog veel te jong is. Je te la donne. Ik geef het haar. Non pas juste pour des enfants. Niet alleen voor kinderen. Mais qu'elle devienne ton épouse, ta femme à toi. Maar dat ze jouw vrouw wordt. Wie is een vrouw die dat kan doen tegenwoordig? Mais dis-moi, tu peux le faire. Kan je dat doen? Amen. We zwijgen voor de Heer. Alleluia. Alleluia. Tout le monde dit jamais. Iedereen zegt nooit. La Bible a des histoires, hein? De Bijbel heeft zijn verhalen. Même un homme ne peut pas donner sa femme à quelqu'un. Zelfs een man kan dat niet doen. Ah, le frère Paul dit. De broeder Paul zegt nee. Alléluia. Amen. Mais en fait, c'est un problème dans cette famille. Dat is al een probleem. Lorsqu'Abraham voyageait avec Sarah en Égypte. Toen Abraham reisde met Sarah in Egypte. Il lui dit que Sarah était trop belle de visage. Hij zegt van hij Sarah was veel te mooi. Il avait peur pour ses intérêts. Hij was bang voor zijn eigen. Il ne voulait pas mourir. Dat hij wou niet sterven. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Dis que tu es ma soeur. Zeg dat je mijn zus bent. Et il prit et on prit Sarah. En ze hebben Sarah genomen. Et on lui et Pharaon le prit comme femme. Farao heeft haar als vrouw genomen. Amen. Quelle histoire! Wat een verhaal! Le père de toutes les nations. De vader van de regardez un peu sa vie sur la terre. Kijk naar zijn leven. Mes amis, Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes justes. Hij kiest ons omdat we juist zijn. Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes justes. Hij gebruikt ons omdat we juist zijn. C'est un problème de grâce. Maar dat is een probleem van c'est un problème d'élection. Dat is een probleem van verkiezingen. C'est seulement la grâce, mes amis. Dat is de genade, mijn vrienden. Comment un homme qui était censé être le père de la foi des nations peut-il mener une vie comme ça? Hoe een vader van de natie kan zo'n leven leiden? Prendre ta femme. En zijn vrouw nemen. Et lui donner un homme. En een ander man geven. Et tu es là. En je bent daar. Dans la même maison. In hetzelfde huis. Et tu vois ta femme. En je ziet je vrouw. Avec un autre homme. Met een ander man. Et tu es calme. En je bent rustig. Moi non. Nee, ik kan dat niet doen. Moi non. Ik nee, kan dat on niet doen. Se battre. We gaan vechten. Alléluia. Amen. Les gens disent que les pasteurs sont trop jaloux. Non, c'est pas seulement les pasteurs. Si ton mari n'est plus jaloux, c'est qu'il a un problème de cœur. Als jouw man niet jaloers is, dan heeft hij een probleem in zijn hart. Amen. Amen. Bon, n'exagérez pas aussi. We gaan niet overdrijven. Vous commencez à pêcher votre femme à venir à l'intercession. Là, ça devient grave. Als je vrouw naar de intercession komt, dan is het een probleem. Écoutez bien aimé. Luister. Sarah dit ceci. Sarah zegt. Prola. Neem haar, dat ze jouw vrouw wordt. Abraham l'a pris. Abraham heeft dat genomen. Ici, mon frère Gauthier. Hier, mijn broeder. On ne voit pas la résistance d'Abraham. We zien niet dat de weerstand. Abraham ne dit pas, mais Dieu m'a dit. Hij zegt, God heeft mij gezegd. Dat toi n'est pas un héritier. Dat van jou de héritier komt, de bovenstaande. Alleluia. Amen. On ne voit pas la résistance. We zien niet de weerstand. D'Abraham. Van Abraham. L'homme de la foi. De man van het geloof. On ne le voit pas dire. We zien hem niet je ne peux pas faire cela. Ik kan dat niet doen. Abraham. Abraham. En d'autres termes. In andere termen. Il attendait cela. Hij verwachtte dat ook. Il voulait cela. Hij wou dat ook. La vie avec Dieu, faut faire très attention. Het leven met God moet je heel erg oppassen daarmee. Je moet niet te vlug om andere mensen te kritiseren. Tu vois quelqu'un dans l'erreur, prie pour lui. Als je andere mensen een probleem ziet, parce que la même chose là, que tu critiques aujourd'hui, ça peut tourner contre toi. Wat jij nu bekritiseert, kan het God aan jou sturen. En twee keer harder. Attention, Dieu reste Dieu. Pas op, God blijft Dieu est souverain. God is souverain. Après, si tu vois quelqu'un commettre le péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Als je een persoon ziet zondigen, bid voor hem. Ne condamne pas facilement. Je moet hem niet beschuldigen, bid voor hem. Et de cette union là, en van deze unie va naître Ismaël. Gaat Ismaël. Qui est le père de tous les Arabes que vous voyez aujourd'hui. Dat is de vader van alle Arabieren. Avec tous les attentats. Dus met alle terroristische aanvallen. Avec toute la brutalité dans met alle brutaliteit in hun leven. Avec tout ce que vous connaissez. Alles wat jullie al kennen van dagelijks leven. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. God is fantastisch. Mais là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je suis en train de. Écoutez, homme de Dieu, je suis en train d'observer un peu le cœur de Sarah. Ik ben de hart van Sarah observeren. Une femme. Een vrouw. Qui prend son mari. Die gelooft in haar man. Et qui lui donne. Die hem à geeft. Une autre femme. Aan een andere vrouw. Juste pour faire plaisir à son mari. Alleen maar om zijn man plezier te doen. Et
il ne prend pas n'importe quelle femme. Elle prend sa servante. Minares. Quelle grâce. Votre grâce. La servante pouvait te le dire. De Minares kon zeggen. Moi. Ik. Devenir. Ik word. La femme. De vrouw. De mon maître. Van mijn meester. Et avec la permission de ma maîtresse. En met de toegang van mijn baas. Quelle grâce. Wat een genade. Quelle grâce. Wat een genade. La porte était ouverte. De deuren waren open voor haar. Une porte était ouverte. Een deur was open voor haar. Pour Agar. Voor Agar. Amen. Amen. Mais regardez le comportement d'Agar. Maar kijk haar gedragingen. Dès le moment où elle a ressenti qu'elle était enceinte. Toen ze voelde dat ze zwanger was. Dès le moment où elle a vu qu'elle était enceinte. Toen ze zag dat ze zwanger was. Agar s'est levé contre Sarah. Agar begon op te staan voor Sarah. Il a commencé à se moquer de Sarah. Ze lachte Sarah uit. Toi? Jij? Nee, ga weg. 80 ans. 80 jaar. Qui te donnera des bébés? Wie gaat jou nog kinderen geven? De toute façon, mon mari. Mijn man. N'a plus besoin de toi. Heeft jou niet meer nodig. Tu es une vieille dame. Jij bent een oude vrouw. Mon ami. Mijn vrienden. Mon ami. Mijn vrienden. Ça c'est grave. Dat is heel erg. Et tous les jours, elle parlait mal de Sarah. En elke dag sprak ze slecht aan Sarah. Sarah qui lui avait ouvert une porte. Sarah die een deur voor haar had geopend. Sarah qui lui a fait du bien. Sarah die haar goed heeft gedaan. Sarah qui a changé son statut. Sarah die haar status heeft veranderd. De l'esclave à la femme libre. Van slaaf tot een vrije vrouw. De célibat à la femme mariée. Van een célibat tot een vrouw. De pauvre à la riche qu'elle était devenue. Van een arme vrouw puttelijk. Elle s'est levée contre Sarah. Maar ze is opgestaan voor Sarah. Et Sarah pleura. En Sarah begon te huilen. Sarah pleura. Ze begon te huilen. Il dit à son mari. Zegt tegen haar man. Tu m'as amené le problème. Je hebt mijn problemen gebracht. À cause de cette femme. Door deze vrouw. Mais de toute façon, c'était pas Abraham, hein? Maar dat was Abraham zijn fout niet. C'était elle-même. Dat was haar eigen schuld. On essaie de pas ce genre de choses, mon ami. Zulke dingen doen we niet in het leven. Faut pas le faire. Je moet dat niet doen. Et j'aime beaucoup Abraham. Ik hou heel veel van Abraham. Il dit à sa femme. Hij zegt tegen zijn vrouw. C'est ton esclave jusqu'à présent. Dat is jouw slaaf tot nog toe. Tu as le pouvoir sur elle. Je hebt de kracht boven haar. Fais tout ce que tu veux. Doe wat jij wilt. Oh, des hommes comme ça sont rares. Zulke mannen zijn heel raar. Des hommes qui peuvent défendre leur femme. Die ze hun eigen vrouw verdedigen. À tout prix. En met alle kracht. Contre toute attaque. Tot alle. Il défend sa femme. Ze verdedigt zijn vrouw. Devant l'opposition de sa famille. Voor de oppositie van zijn familie. Il défend sa femme. Les attaques des ennemis. Il défend sa femme. Il y a des hommes qui font des réunions avec les membres de leur famille. Contre leur propre femme. Tegen hun eigen vrouw. C'est pas normal. Dat is niet normaal. Amen. Ta femme c'est ton ami de tous les jours. Jouw vrouw is jouw vriend van elke dag. Tu ne peux pas te liguer avec tes amis contre ta propre femme. Je kan geen plannen doen met je vrienden tegen je vrouw. Et tu es là, tu appelles des gens de gauche à droite qui font des réunions en privé et on parle mal de ta femme. Je belt iedereen op en ze spreken slecht over je vrouw. Dat kan niet. Et il y a aussi des femmes comme ça terribles. Er zijn ook vrouwen die zulke dingen doen. Il y a aussi des femmes, hein, terribles. Vrouwen die terribel zijn. Erg. Horrible, ja, ja. Heel erg afschuwelijk. Il fait des réunions avec les gens de sa famille contre le mari. Ze maken vergadering tegen haar man. Avec ses amis contre le mari, il y a des stratégies. Si il vient aujourd'hui, s'il arrive là-bas, prends un jean, mets un autre jean, mets un autre jean, un autre jean, sur un autre jean, et couche-toi. Een vrouw die de plannen geeft aan hun vrienden draagt zulke slechte kleren aan. Amen. Amen. Et toi, tu dis, je vais le faire. En jij zegt, ik ga het doen. Quel cœur. Wat een hart heb jij. Quel cœur. Wat een hart. Alléluia. Ah, oui. Ah, je ne vous vois plus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous aimez cette parole? Est-ce que vous aimez cette parole? Ah, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, mes amis. L'évangile est une puissance. Il faut que la vérité soit prêchée. Afin que la société puisse changer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos foyers. Dans nos maisons. Qui ne glorifient pas Dieu. Et nous prions. Nous venons à l'église. Nous donnons à Dieu. Nous dansons. Mais dans nos cœurs. Il y a des montagnes de haine. Il y a des montagnes d'animosité. Il y a des
choses mauvaises. Dieu regarde au cœur, mon ami. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce que Dieu veut, c'est le changement de nos cœurs. Sois la femme selon le cœur de Dieu. Sois l'homme selon le cœur de Dieu. Ne fais pas les choses pour que le pasteur te voit que tu es bien. Mais fais les choses pour que l'Éternel t'acclame. Fais les choses pour que le ciel dise Amen pour toi. La Bible dit, quand les hommes parleront bien de vous, sur la terre, vous avez également des récompenses. Mais pas au ciel. Mais quand ils parleront mal de vous, vous avez une récompense. Travaille pour que Dieu te voit. Le pasteur te dira aujourd'hui bien, demain il dira ce faux. Mais Dieu regarde au cœur. Quelle est l'intention de ton cœur? Alléluia. Dis à ton voisin, je travaille pour plaire à mon Dieu. Gloire au Seigneur. Fais un couple bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Un couple bizarre. Et c'est grave, hein? Et il y avait un problème. Elle ressent un problème. Alors Sarah s'est fâchée. Sarah va être pauvre. Sarah montra maintenant ses griffes. Sarah lit ta clame. Elle parla contre Sarah, contre Agar. Je parle slecht over Agar. Et Agar partit. Agar est refoulé. Agar s'enfuit. Agar se fleur. Loin. Fer. De la maison d'Abraham. Van de huis van Abraham. Et un ange la trouve. En de engel kwam haar tegen. L'ange vient lui demander. Elle vroeg aan haar. Sarah. Agar. Je te vois ici dans le désert. Ik zie in de woestijn. Tu étais censé être dans la maison de qui? D'Abraham. Ja, moest dan de huis van Abraham zijn. En d'autres termes. In andere termen. On te voyait quand tu faisais tout avec Abraham. We zien, oh, we zagen alles wat jij deed met Abraham. Et l'enfant qui était venu, Dieu le connaît aussi. Met een kind dat is gekomen, God kent hem ook. Que fais-tu ici? Wat doe jij hier? Et où vas-tu? En waar ga je naartoe? Mes amis. Mijn vrienden. Dieu ne travaille pas avec les vagabonds. God spreekt en werkt niet met vagabonds. Dieu travaille avec les gens qui sont stables. Hij werkt met mensen die stabiel zijn. Il y a un endroit où Dieu t'a planté. Er is een plaats waar God jou geplant heeft. Dieu te connaît. Waar God jou kent. Où il y a ta bénédiction. Waar jouw zegeningen zijn. Les gens te combattront. De gemeente gaan je vechten. Mais reste là. Maar blijf daar. Les gens te critiqueront. De mensen gaan je bekritiseren. Mais reste là. Maar blijf daar. Maar celui qui t'a choisi. Waar de persoon die jou gekozen heeft. Est plus fort. Plus krachtiger. Mais celui qui peut te combattre. Waar de persoon die jou tegen jou kent. Mais si on te combat. Ook al zijn je c'est parce que tu portes la chose. Maar je draagt het ding van de Heer. Si Sarah était contre Agar. C'est parce qu'Agar était enceinte. J'ai dit à quelqu'un. Dieu t'a amené en ce lieu. Pour un but, frère. Tu es comme Agar dans la maison de l'Éternel. Dans la maison d'Abraham. Ici ton nom changera. Ici tu auras ta grossesse. Ici tu auras ton Ismaël. Ici beaucoup de choses vont se faire. Tu es venu comme un possédé. Mais Dieu va te libérer. Et il va faire de toi un libérateur de des nations. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Si l'on permet que tu traverses les églises et que tu me rencontres ce lieu, tu es au terminus de la gloire. Au terminus de ta délivrance. Au terminus de ton miracle. Reste là. Ne faut pas aller de gauche à droite. Sarah, que fais-tu ici? Wat doe jij hier? Et où vas-tu? En waar ga je naartoe? Tu es... Agar, sorry. Vous êtes dans les messages. Jullie zijn in het bericht, in de boodschap. Amen. 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 Que fais-tu ici? Wat doe jij hier? Que fais-tu ici? Wat doe jij hier? Il y a des gens, on les voit partout. Er zijn mensen, we zien hun overal. Partout, ils sont là. Et overal. C'est pas important. Dat is niet belangrijk. C'est que c'est fait rare, c'est fait cher. Wat is raar is, zeldzaam, is al meestal heel duur. Il y a des moments bien-aimés. Er zijn momenten. On doit grandir. We moeten groeien. La bénédiction n'est pas au désert. Zegening is niet in de woestijn. La bénédiction est dans la maison d'Abraham. Zegening is in de huis van Abraham. C'est là que Dieu t'attend. En daar is waar God op jou wacht. Écoutez-moi. Luister naar mij.
Nous aimons tous l'onction, n'est-ce pas? We hebben allemaal, we willen allemaal de verzorging. We willen allemaal de glorie krijgen. Je n'empêche pas quelqu'un à écouter de gauche à droite. Ik wil niet aan iemand verplichten. Je ne verplicht me niet aan iemand te luisteren. Donne l'onction. De persoon die zal vinden. C'est le Dieu tout-puissant. Dat is de Heer. S'il ne te donne pas ici. Als hij jou dan niet hier geeft. Mais si tu circules le monde entier. Ook al ga je naar de hele wereld rond. Je gaat geen zalving krijgen. Si ton cœur n'est pas prêt. Ouvert en ce lieu. Als je hart niet open afin que Dieu te bénisse en ce lieu. Tu circuleras là. Je gaat partout dans le monde. Tu n'auras absolument rien. Je zal niks krijgen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Le désert ne te payera pas. De woestijn zal hem niet betalen. Tu as un problème. Je hebt een probleem. C'est ton cœur. Dat is je hart. Amen. C'est ton cœur. Je hart le problème is. C'est ton cœur. Dat is je hart. Amen. Le problème de Dieu, c'est qu'il traite avec le cœur. Le problème de God is dat hij werkt met c'est ça le problème de Dieu. Amen. Pas avec les apparences. Niet met onze hoeveelheidje. Moi, j'ai vu le prophète prophétiser par apparence. Ik heb een profeet gezien profiteren. Il voit mon frère avec un ventre bien taillé. Hij ziet een grote broer met een goede bras. Il voit sa montre. Hij ziet zijn horloge. Il va quand même avoir de l'argent. Hij ziet dat hij heel veel geld heeft. Il commence à dire. Hij begint te zeggen. Je vois une grosse voiture. Il voit een grote auto. Et ça veut dire quoi? En wat moet dat betekenen? Wow. Amen. Amen. Mais si tu es un frère. Maar als jij een echte broer bent. Je gaat kijken. Un sapeur comme Freddy. Un sapeur, onze broer. Un fils adoptif de papa Wemba. De adoptieve zoon van papa Wemba. Amen. Amen. Et tu lui diras. En je gaat zeggen. Toi. Jij. Tu seras docteur. Je gaat dokter zijn. Tu enseigneras la parole. Je gaat leren. Et les choses s'accomplissent. En de dingen zal gebeuren. C'est ça Dieu, mon ami. Dat is de Heer. C'est ça Dieu. Dat is de Heer. Amen. Oh. Alléluia. Amen, avance, avance. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin, on ne me mentira plus jamais. We gaan niet tegen mij liegen. Nooit meer. Non. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as besoin. Alles wat je nodig hebt. Tu as mis dans cette main. God heeft dat gezet in mijn hand. Si tu ne réussis pas ici. Als je dat hier niet ontvangt. Tu iras où tu veux. Je gaat er overal naartoe gaan. Je ne vois pas comment Dieu va. Parce qu'il a il t'a envoyé dans la maison d'Abraham. Ik weet nog goed dat iemand heeft jou gestuurd naar de huis van Abraham. Que fais-tu ici? Wat doe jij hier? C'est comme si dat is net als je vais quelque part. Ik ga ergens naartoe. Je trouve ma fille. Ik zie mijn dochter. En train de faire une histoire. Iets dingen gaan. Je serais étonné. Ik zou heel erg verbaasd zijn. Chez nous à la maison. Bij ons thuis. On ne danse pas ce genre de musique. We dansen in dit soort musique. Que fais-tu ici? Wat doe jij hier? Alléluia. Amen. Là où je suis tonte. Ja, de Engels. Non, c'est juste Sarah, il me maltraite, tout ça, tout ça. Ze begon te klagen. Oké. Zei oké. S'il te plaît. Alsjeblieft. Regarde en toi-même. Kijk, ik doe een introspectie. Ton mari. Dat is toch jouw man? Il te l'a donné. Hij heeft jou aan gegeven. Il t'a ouvert une porte. Hij heeft voor jou een deur open. Toi, tu as marché sur la porte. En jij hebt getrapt op de deur. Cette porte. Je hebt de deur gesloten. Va. Ga terug. Doe. Ga terug. Retourne. Ga terug. Chez Sarah. Bij Sarah. Humilie-toi. En ga je gehoorzamen. Dans ce désert. Want in deze woestijn. Le bébé risque sortir. De baby gaat geboren. L'enfant que tu as. En de baby dat jij draagt. L'enfant que tu as. De baby dat jij draagt. Sera aussi une grande nation. Gaat ook een grote natie. Je le bénirai également. Zegenend. Il sera grand. En gaat zo groot. En notre terme. In andere termen. Tu portes la chose. Je draagt het ding. Mais tu dois être au bon endroit. Hij moet op de goede plaats zijn. Au bon moment. Op de goede plaats. Avec la chose éclate. Zodat het ding naar buiten komt. Tu as la chose, oui. Je hebt het ding goed. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Maar niet iedereen heeft de kracht. De faire éclater la chose. Om dat ding te kunnen. Écoutez, mes amis. Toutes les mains ne sont pas appelées à être à vous être imposées. Alle handen zijn niet geroepen om jullie te zien. Il y a des mains pourries. Er zijn bedorven handen. Oh 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 oh. Er zijn bedorven handen. Il y a des mains pourries. Er zijn bedorven handen. On te pose les mains. Ze bidden et tu reçois un mari de nuit. Et je krijgt een man van de nacht. On te pose les mains. Ze bidden et tu reçois une femme de nuit. Je krijgt een vrouw van de nacht. On te pose les mains. Ze bidden et les portes s'ouvrent, se ferment. En de deur sluiten zich. Toutes les mains. Alle handen. Ne sont pas bénies. Et je ne peux pas accepter que tout le monde t'impose les mains. Fais gaffe. Pas up. La Bible dit il y a les loups qui sont entrés dans la bergerie. Er zijn wolven die zijn gekomen bij de herderschap. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Motion de soutien. Amen. Sois béni. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Glorie tout God. Alléluia. Amen. Oh.
Où vas-tu? Waar ga je naartoe? Et que fais-tu ici? Wat doe jij hier? C'est pas ta place. Dit is niet jouw plaats. In andere termen. Tu n'es pas stable en toi. Je bent niet stabiel in je hoofd. Dieu conduit. God richt zich op richting. Dieu conduit. God. Et quand Dieu conduit, en wanneer hij rijdt. Il pourvoit. Hij verzorgt ook dat er een opstapeling is. Jij die vrouw? Er is een vrouw. Je vais vous montrer ça après. Elle était venue ici il y a deux mois. Ze was hier gekomen twee maanden geleden. Ze kwam van Engeland. Avec un sujet de prière. Met een gebed. Papa. Vader. Mon mari. Mijn man. Est parti avec une autre femme. Is met een ander van weggegaan. Et il m'a chassé. Hij heeft me weggestuurd van mijn huis. La femme est même enceinte. En die vrouw is al zwanger. Moi, je ne fais pas d'enfant. Ik kan geen kinderen baren. Je suis venu chercher ton Dieu. Ik ben jouw God komen zoeken. Donc, ici à l'église. Ik ga in de kerk slapen. Je prie pour toi dimanche. En ik zal voor jou bidden zondag. Je prie. Ik heb gebeden voor haar. J'ai dit vas-y. Ik zeg ga terug. Quelque chose va se passer. Iets gaat gebeuren in jouw leven. Entre le monsieur. Tussen die man. Et cette femme là. En die vrouw. Un conflit va surgir. Er zal een conflict de komen. Nulle part. Van nergens. Et toi, tu reprendras tes possessions. En jou zal al je man terugkrijgen. La bouche de Dieu a parlé. De mond van God on heeft gesproken. Ajoute plus de choses. We gaan niks meer toevoegen. La femme est partie. De vrouw is teruggekeerd naar Groot-Brittannië. Après un mois. Na een maand. Je me dit, papa est indi. En zo van, het is ver. C'est devenu chaud. Het is warm geworden hier. La femme là. De vrouw. La femme là, die vrouw waarmee mijn dochter is, die zwanger was, en fait que 4 mois en Europe. Ze heeft maar 4 maanden in Europa gedaan. Mais, maar, la grossesse, maar de zwangerschap 6 mois. Is al 6 maanden. Amen. Et le mari, en de man, mon mari qui était parti, mijn man die weggegaan was, est revenu vers moi, is teruggekomen naar mij. Et au moment je te parle, en hoe ik dan spreek, je suis enceinte. Ik ben zwanger. Donne-moi le téléphone. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Mais dis-moi, viens lire ici, tu vas lire d'autres détails. Tu vois même le nom de la sœur, tu peux l'appeler après. Moi, je regarde le témoin, j'aime. Ik hoop van jullie aan het getuigen ben dat jullie te plaatsen haar bellen. Voilà, parce qu'elle m'expliquait, voilà, tu commences à partir d'ici. Voilà, pardon papa, binga, voilà, tu commences. Dus je leest. Pardon papa, binga, zambina yo. Mubali wakaweni na mwasiwana. Les dames et la femme sont séparées. Mobile va kawen na mwasiwana. Makambwe komeli bango mabe mobile a des choses de chaud. Ça donne à zemi à 6 mois. La femme en semaine 6 mois. A sali 4 mois na pote. Mais elle a fait que 4 mois en Europe. Ngape na ebisi e que na donne à zemi. Voilà. Moi aussi je lui ai dit que j'étais enceinte. Wow! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de tout. Si tu es au bon endroit, au bon moment, tu peux tout faire. Bouddha. La main que tu vois, de hand die je nu ziet, n'est pas ménagée avec d'autres mains. Année-moi, in één maand, je peux t'acheter. Ze gaan je kopen. Tellement il y a des mains. Maar terwijl er veel handen zijn, de main qui ont des pieds. Heel veel handen. Dieu ne veut plus agir. God kan niet meer werken. Quel Dieu sera glorifié? Maar welke God zal zeer opgeheven worden? Amen. Amen. Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. God kan niet zijn glorie aan iemand anders geven. C'est juste une question de secondes. Maar dat is pas seconden. Dat God een mirakel doet. Dieu glorifiera la personne sur laquelle repose l'onction afin que le monde sache que Dieu est Dieu. God kan op de zon verheven waar hij zijn zon in heeft. Hey. Amen. Mon ami. Mijn vriend. On a quelque chose. We hebben iets hier. Je vous dis quelque chose. Ik zeg u iets dat we hier hebben. Dieu est en train de faire quelque chose. God is iets aan het doen met ons. Je ne connais pas une personne qui est entrée sur mon chemin qui n'a pas un témoignage. Aucune personne. Ik ken geen persoon die mijn weg is gekomen. Même les sorciers ont été visités. Zelf heksenvelden bezocht. Amen. Amen. C'est pour une alliance. Dat is een alliantie. Ce frère a de bons projets. Hij heeft een goed project voor l'église. Voor de kerk. À partir d'aujourd'hui, vanaf vandaag, personne ne prie pour toi. Niemand bidt meer voor jou. Je prie pour toi, moi. Ik zal bidden voor jou. Amen. Personne ne mange
donneras ton argent. Tu le donneras ici. Et cite la bouche de l'Éternel. C'est comme ça que tu verras un miracle rapide. Zo ga je vlug miracle zien. De toute façon, bien aimé, il y a plusieurs médecins. Er zijn heel veel mais il y a un spécialiste. Maar er is een spécialiste. Qui peut guérir ton cas. Die dingen kan. Qui peut te sauver. Tu vas t'en redden. La Bible dit. De Bijbel zegt. Elle avait fait 12 ans. Ze heeft 12 jaar gedaan. Le sang coulait. De bloed was elle était vuur. Allée de médecin à médecin. Ze was van dokter naar dokter. Un jour, elle avait raconté les docteurs de docteurs. Oh, dus de dokter naar dokter. Il n'avait pas payé l'argent. Ze kreeg de mais il a touché seulement son vêtement. Maar ze heeft haar kleren. Et le sang s'est arrêté. En de bloeding is gestopt. Pourquoi payez-vous pour des choses qui sont gratuites? Waarom betaal je voor dingen dat gratis? Vous êtes des enfants. Vous êtes des kinderen. Pourquoi vous envoyez l'argent chez les prophètes qui sont déjà dans l'obscurité? Waarom sturen jullie gaan naar profeten? Dieu les a vomis. God heeft hen weggespuugd. Là, je parle à tout le monde. Dieu les a vomis. God heeft hen gespuugd. Si on vous montrait les films et les choses qui se font en secret. Als jullie me films laten zien van dingen die nog hebben. Vous ne pouvez pas accepter d'être associé. Jullie gaan niet accepteren om daar niet geassocieerd te worden. Maar spijt genoeg. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Ik zegen de Heer. C'est pas pour me vanter. Is niet om stoer te doen. J'ai dit, j'ai Dieu avec moi. Maar ik weet dat ik God met mij heb. Dans ce pays, on n'est pas toi. In deze land zijn we niet drie. J'ai dit, on n'est pas toi. We zijn niet drie. Il y en a qui font les miracles. Er zijn mensen die wonderen. Qui envoient même temps les démons de l'autre. Maar die ook démons echt tu peux être là pendant un mois, six mois, une année, quatre ans. Rien ne va changer dans ta vie. Les démons pas qu'ils reviennent. Parce que ce sont, oh my God, oh c'est de parler librement. La même ce sont des onctions truquées. Dat zijn de verzamelingen die getruckeerd zijn. Ce sont des onctions truquées. 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 Je ne connais pas un homme. Ik ken geen man. Qui rencontre Jésus. Die men, die reste la même personne. En dezelfde blijft. Nee, dat ken ik niet. Agar, retourne la maison. Agar, ga terug naar huis. Tu as les promesses. Je hebt echte wonderen. Tu as encore besoin de 9 mois. Je hebt nog 9 maanden te doen. 8 mois. Of 8. Le bébé doit encore naître. De baby moet op aarde komen. Retourne à la maison. Ga terug naar huis. Alors, quelle est la porte qu'on ne peut pas fermer? Welke deur kunnen we niet sluiten? La porte qui ouvre d'autres portes, mon ami. De deur die zijn andere deuren ouvre. La porte du cœur. Dat zijn de deuren, dat is de deur van hart. Lorsque quelqu'un ouvre son cœur. Wanneer een persoon ja, zijn hart weer opent. Ferme pas cette porte. Ga het sluiten. Parce que c'est de cette porte-là que s'ouvriront d'autres portes. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte open deur que personne ne peut fermer. Niemand kan sluiten. Mais qui est cette porte? Maar wie is de die deur? Il voulait dire, j'ai ouvert mon cœur pour toi en fait. Ik heb mijn hart geopend voor jou. Et personne ne peut venir fermer parce que moi je suis la porte. Ik en niemand kan sluiten, want ik ben de deur. Je suis la porte. Want ik ben de deur. Et je l'ai ouverte pour toi. En ik heb het geopend voor Satan jou. Satan ne va pas venir fermer cette porte. Satan gaat deze mon ami, que mon Dieu t'ouvre la porte. Dan mijn God de deur voor jou opent. Que le cœur de Dieu s'ouvre pour toi. Que Dieu ouvre son cœur pour toi. Ah non. Allez, ta main du Seigneur Jésus. Ouvre-moi ta paix et ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Cette porte. Que personne. Ne peut fermer. Au nom de Jésus. Et nom de Jésus Christ. Alléluia. Mes amis. Mes vrienden. J'ai dit un jour, ik heb ooit gezegd, on ne devient pas riche parce que justement on a un salaire. We worden niet rijk omdat we een salaris hebben of een loon. Mais on devient riche. Maar we worden rijk. Parce qu'on a raconté, on a de belles opportunités. Omdat we goede opportuniteiten hebben. Cette opportunité. Een opportuniteit. Peut changer ta vie. Kan je leven veranderen. Pour toujours. Voor altijd. Et je vous ai dit, en ik heb het tegen jullie gezegd. La méthode de Dieu. De methode van God. C'est l'homme. Dat is de mens. Dieu, si God, te bénir, God, als hij jou wilt zegenen, il t'envoie auprès de l'homme providentiel. Gaat hij jou naar de juiste man sturen? La personne que Dieu a choisi pour toi. De persoon die hij heeft gekozen voor jou. Et si cette personne t'ouvre le cœur, en als die persoon zijn hart c'est ouvert, la porte qui est ouverte. Dat is de deur dat open. Au travers de cette porte, ja, langs die deur. D'autres portes vont s'ouvrir. Andere deuren gaan openen voor alors jou. Alors ne ferme pas la porte qui t'ouvrira d'autres portes. Sluit niet de deur die andere deuren voor jou gaan openen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu appelles miracle aujourd'hui n'est que le commencement de miracle pour toi. Wat jij wondering doet vandaag is maar het begin. Qui croit qu'il peut avoir même 10 villas? Wie gelooft dat hij zo 10 dorpen kan krijgen? Que vos mains s'attachent à la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que vos mains que vous avez
lever sa tâche à la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, à ma qualité d'apôtre, j'engage mon ministère que les mains levées sont bénies. Les mains levées seront visitées. Les mains levées seront visitées. Au nom puissant de Jésus, là où tu es, Dieu va te mettre devant les opportunités. Tu vas raconter les grandes personnes. Tu vas raconter l'homme qu'il faut. La femme qu'il faut. Le moment qu'il faut. Et ta vie changera. Notre Dieu, c'est le Dieu de la contre divine. C'est le Dieu des opportunités. Si tu es connu quelque part, c'est qu'il a un plan pour toi. Grâce à la porte, il va t'ouvrir d'autres portes. Je suis en train de déclarer dans ta vie que ce que tu n'avais pas hier va commencer à se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu est souverain, mon Dieu est puissant, mon Dieu est vivant. Il n'y a pas de maladie que mon Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas de problème que mon Dieu n'a pas donné, tu ne peux pas donner la solution. Il y a vraiment, Seigneur Jésus, j'ouvre la porte que j'ai fermée. J'ouvre cette porte-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec moi, prie un peu, prie un peu. Alléluia. Nous t'apprenons au nom de Jésus. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je suis bien localisé. Je suis bien localisé. Je n'abandonnerai pas ma bénédiction. Je ne fermerai pas ma porte. Au nom de Yeshua. Je vous assois. Alléluia. Amen. Aga devrait retourner d'abord. Aga moest terug naar huis. Il y a un temps. Dat was het moment. Où tu peux être encore serviteur. Dat je nog dienaar kan zijn. Mais il y a un temps. Maar er is een tijd. On va te servir. Waar ze jou gaan dienen. On va te servir aussi. Ze gaan jou ook beginnen te dienen. Dieu. God. Travaille. Werkt. Avec des gens qui sont stables dans leur esprit. Des mensen die geestelijk heel stabiel zijn. Vous savez pourquoi vous manquez de fois la paix dans vos cœurs? Weet-jullie waarom jullie niet vrede hebben in jullie harten? Vous savez pourquoi? Weet-jullie waarom? Je vous donne un secret. Ik ga jullie een geheim. Pourquoi des fois vous doutez de votre foi? Soms maken jullie zorgen over jullie geloof. Geloven jullie daar niet in? Seigneur, m'a parlé ce matin. Je le sens. Ik hou daarvan. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe hoofdstuk 26. Verset 26. Jesaja 26, vers 3. Il y a des fois vous posez des questions sur votre foi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vraiment je fais et l'œuvre de Dieu? Est-ce que des fois tu te perds en fait? Regardez ce que Dieu dit, la cause, la raison. Regardez, Dieu dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures quoi? La paix. Parce que dit is très vers heel belangrijk. Si tu es ferme dans tes sentiments, als je heel ferm bent in jouw gevoelens, l'Éternel t'accordera la paix. De Heer zal jou vrede geven. Parce que tu te confies à l'Éternel. Want je geeft, je vertrouwt je aan de Heer. Sois ferme dans tes sentiments. Je moet ferm zijn met je gevoelens. C'est-à-dire être constant. Je moet constant zijn. Je dis oui, c'est oui. Als je zegt ja is ja. Non, c'est non. Nee is nee. Dieu m'a parlé, ça s'arrête là. God heeft mij gesproken en dat blijft daar. J'ai continué mon chemin. En ik ga me ver door. Je suis ferme. Ik ben heel ferm. Parce que Dieu est avec moi. Want God is met mij. Dieu sait où il m'amène. En God weet waar hij mij naartoe brengt. Mon ami. Mijn vriend. Je vous donne un témoignage. Ik geef jullie een getuigenis. On a fini la délivrance d'une famille ici à l'église. We waren beëindigd met de bevrijding van de familie. J'étais avec mon épouse. Ik was hier met mijn vrouw. Elle est venue travailler, soit bénie ma chérie. Je kwam van werken, wees gezegend. Amen. Ah. Et on rentrait, on était vers 3h30, je crois. Het was 23:30, dus middernacht. Alors, elle est montée
Moi j'étais encore, je parlais encore au téléphone. Et je parle encore au téléphone. Après j'avais mon téléphone entre les mains. Et quand mon téléphone m'a rendu. J'avais ouvert, comment on appelle ça, le palais. Et qui a l'outspreek gezet. Et j'avais une bouteille d'eau. En ik had een fles water. C'était quelqu'un qui m'expliquait une situation. Et hij legde mij zijn situatie uit. J'étais en train de monter l'escalier vers notre chambre. En ik ging de trap op naar mijn kamer. J'arrive au quatrième escalier. Et kom naar de vierde. Je raté. En ik heb het gemist. En ik heb gestruikt. Je suis tourné comme ça. En ik ben naar achter gevallen. Tombé comme un, je sais pas comment. Ik ben gevallen. Et j'ai frappé la tête contre le mur. Mijn hoofd is tegen de muur gebost. Seigneur Jésus. Zei Heer Jezus. Dans ma bouche. Maar in mijn mond. Une parole est sortie. Een woord gezond. Je ne suis pas malade. Ik ben niet ziek. Je suis pas blessé. Ik ben niet gewonden. Je suis en bon état. Ik ben in een goede. Mijn kinderen zijn gekomen, ze waren heel gepanikeerd allemaal. Jezus zei, ik ga bidden voor jou. Il a commencé à prier pour moi. Hij begon te bidden voor mij. Voilà. Et on m'a pris, on a commencé à faire monter. Je sens pas que j'ai pesé plus que ma femme. Ik voelde echt dat ik zwaarder was dan mijn vrouw. Ils avaient du mal à me soulever. Ze hadden moeite om mij op te laten staan. Ze hadden echt moeite. On doit appeler l'ambulance. We moeten de ambulance bellen. Non, je suis bien. Ik zeg niet, ik ben goed. Mal. Maar ik heb geen pijn. Trop mal même. Ah, ik had heel veel pijn zelfs. Le premier jour, c'était très grave. De eerste dag was heel erg. Après, on est parti aux urgences. Maar toen zijn we naar de spoed gegaan. Ils ont regardé. Ze hebben gekeken. Il n'y avait rien. Er was niks. J'étais pas blessé. Ik was niet geblesseerd. Je pouvais pas me lever. Maar ik kon niet rechtstaan. Mais nous avons la veillée. Ik zeg, we hebben de nachtwaken. Je dis comme ça, je suis blessé. Mais ben, pourquoi geblesseerd? C'était mardi soir. Hoe gaan we dat doen? Het was een dinsdag. Qu'est-ce que je dois faire? Wat moet ik doen? Mais j'ai confessé. Maar ik heb mijn God gegeven. Ik heb gezegd dat ik nooit ziek ben. Je ne dans un lit d'hôpital. Ik ga fini. Niet slapen in een ziekenhuis. En God heeft me gedaan. Je suis vous, en dat voor jullie. Je suis devant vous. Ik sta voor jullie. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Le Seigneur est encore de la paix. Si tu crois que Jésus a souffert pour toi. Als je gelooft dat God geleden. La maladie ne peut pas. Régner dans ton corps. De ziekte kan niet blijven heersen in jouw lichaam. Elle partira. Hij gaat weggaan. La douleur partira. Alle pijngevoelens zijn weg. Wat is jouw probleem? Aujourd'hui tu dis oui. Vandaag zeg je ja. Demain tu dis non. Morgen zeg je nee. Tu n'es pas ferme. Je bent niet ferm, je bent niet stabiel. Ja, ton voisin, sois constant. Wees constant, zegt hij. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Combien de gens sont bénis par ce message? Hoeveel mensen zijn gezegend met deze boodschap? Mon ami. Mijn vriend. Dieu. God wil utiliser. Wilt je gebruiken. Il veut aussi. Maar hij wil ook. Que tu aies un caractère. Dat je een karakter hebt. Amen. Que tu aies le caractère. Dat je een karakter hebt. Dieu utilise les gens qui sont mûrs. God gebruikt mensen die volwassen zijn. Tu travailles avec des enfants. Hij gebruikt niet. Hij werkt met kinderen. Met baby's. Dieu travaille avec des hommes faits. God werkt met volwassen, ferme mensen. Les gens qui savent ce qu'ils font. Mensen die weten wat tu ze doen. Où? Waar bid jij? Dis à haute voix. Je zegt met luide stem. Je prie à victoire centre chrétien. Là où Dieu change le mal en bien. Waar God het slecht in het goede verandert. Faut pas manger la langue. Je moet niet op je tong bijten. Tu sais, moi, Dieu m'a parlé. Mais il m'a gesproken. Et moi, je vois clair, tu vois. Ik zie heel goed. Quoi? Wat, Dis. Zeg. Quel est ton pasteur? Wie is je pasteur? Moi, m'a dit de rester d'abord calme à la maison. Mais de Heer heeft gezegd dat ik thuis moest blijven. Et pourtant tu viens ici. Terwijl jij hier komt. Parle. Praat. Parle. Praat. Tu seras connecté à l'onction. Je zal geconnecteerd zijn met de zalf. Connecté à la gloire de Dieu. Je zal geconnecteerd zijn met de gloire van God. De met de kracht van God. Dans ce monde. In deze wereld. Dieu a donné à chacun ses enfants. God heeft aan elk persoon zijn kinderen gegeven. Amen. Il y a des gens que Dieu a envoyés. God heeft mensen gezegd die bij mij alleen maar gezegd kunnen worden. Net als hij die hier is. Sta op. Je viens de faire. Va là où tu veux. Fais ce que tu veux. Doe wat je wil. Tu reviendras ici. Je zal terugkomen. Parce que tu as mon ADN. Want je hebt mijn ADN. Il était perdu. Hij was echt had een dikke hoofd. C'était comme ça. C'était comme Agar enfant. Hij was net als Agar. Il avait l'argent, c'est gars. Il a encore. Amen. Des voitures de luxe. Je vous dis la vérité. Sa fille là. Zie je sa dochter? Lève-toi. Sta op. Elle a grandi entre mes bras. Ze is gegroeid in mijn handen. Comme ça. Ze was baby. À Hollande. In Nederland. Je lui dis non, frère. Ik zei nee, broeder. Tu es sorti de moi. Jij komt van mij. Toi, tu es mon fils. Jij bent mijn zoon. Ta bénédiction, c'est ici. Jouw zegeningen zijn bij mij. T'as pas là où aller. Je mag overal naartoe gaan. Maar sinds dat hij gekomen is.
Demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Frère, votre but. Non, mais demandez. Amen. Alléluia. Amen. En peu de temps, il est court une terme. Une restauration globale. Elle va se jouer par l'air stylé. En peu de temps. Une courte termine. Tout est tenté de revenir avec vitesse. Alles is gekomen met een snelheid. Dieu te connaît ici. God kent jou hier. Dieu veut t'utiliser ici. God wil jou hier. J'ai dit, il y a une onction pour toi ici. Il y a une gloire pour toi ici. Les anges te connaissent ici. Les anges connaissent ton problème à ce lieu. Quand tu pries, ils savent que tu es. Ah, je ne sais pas qui je parle. Mais j'ai dit à quelqu'un, Dieu te voit ici. Tu es venu là où tu échanges le mal à bien. Je dis une montagne. La montagne, la victoire. Ah, la montagne bien-aimée. Ça demande de monter. Petit à petit jusqu'au sommet. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Et Dieu te fera grâce. Il changera le mal à bien. Il changera le mal à bien. Il gâtera de monte, 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 monte. Il faut gravir les échelons. Il faut monter encore. Ne sois pas fatigué. Nous sommes en train de monter. Il y a ton voisin à la montagne de la victoire. À la montagne de la victoire. Dieu change le mal à bien. Il dit je monte. Je continue à monter. Je ne vais pas retourner. Et les gens me critiquent. Moi je monte. Même si on m'insulte. Moi j'ai gravi les échelons. N'accepte pas, moi je monte jusqu'au sommet. Je monte. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Oh. Amen. Avance. Ah. 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 Nous montons. Le climat. C'est une montagne, frère. Elle est un berg, toch? Lorsque j'ai commencé le ministère, il m'a donné un verset. Elle m'a un verset. Ésaïe 2. Ésaïe 2. Il arrivera un temps. Er gaat een moment komen. La montagne de la maison de l'Éternel. Waar de berg van de huis van de Heer. Sera fondé au-dessus de toutes les montagnes. Zal boven alle bergen. Et les nations viendront de toutes parts. En alle naties zullen komen. Et diront allons montons à la montagne de l'Éternel. Car c'est là que l'Éternel se manifestera. Et l'Esprit me rappelle encore ce matin que ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Où les nations vont venir. J'ai dit à un célibataire. Ton mari est en train de venir. Parce que sa solution est ici. Ton mari est en train de venir. Ta femme est en train de venir. Parce qu'il y a une solution ici. Tes enfants sont en train de venir. Dieu l'a dit. Il accomplira. Nous partons au Congo, frère. Nous avons accompli de grandes choses, croyez-moi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fait. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il y a deux voisins. Nous sommes au sommet des sommets. Au sommet des sommets. Ah, comme on dit en anglais, far above. Très haut là-bas. Au sommet des sommets. Mais mon ami dans le comment ça va tomber là? Comment ça va marquer ça? Comment ça va partir là? Comment ça va piquer ça? Dieu est au sommet. Au sommet. Dieu est au top. De toutes les autres montagnes. C'est Dieu qui l'a voulu. Qu'est-ce que je fasse? Vous voyez la petite bouffe? C'est Dieu. Amen. Baba, eh. Baba, oui, Jérémie. Baba, eh.
Jésus.